Bonjour tout le monde, euh, bienvenue aux instituts d'été 2024 du San Franco. Euh, mon nom est Louis Hull, je suis responsable des instituts saisonniers ainsi que institut 24-24. Et, et il me fait très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à une conférence de Mme André Poulain qui a comme thématique la lecture à haute voix. Alors, quelques petites consignes avant de débuter. Premièrement, simplement pour vous dire que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible pour euh, quelques semaines sur le site du Centre Franco. En plus, si vous avez des questions durant euh, cette conférence, on vous demande d'utiliser la boîte de clavardage et je serai la personne relais entre vos questions et André pour, euh, pour euh, toutes les bonnes questions que vous auriez. Par hasard. Ensuite, euh, on désire euh, remercier le ministère de l'Éducation pour le financement. Euh, sans lui, eh bien, euh, une telle conférence ne pourrait avoir lieu ce matin. Fait qu'on dit merci au ministère. Enfin, euh, il me fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter euh, André Poulain. André, une auteur incroyable. Qui a publié plus d'une soixantaine de livres et qui a gagné plusieurs prix littéraires. Justement, je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, elle était à l'aube d'aller à un salon du livre en Europe. Et puis, euh, alors, euh, ben, on la félicite pour ça. André, euh, d'abord, a été journaliste. Et puis, euh, euh, sa biographie nous dit qu'elle a eu euh, du plaisir à raconter des histoires vraies. Et puis, bien, aujourd'hui, elle s'amuse à raconter des histoires <laughs> inventées. Et puis, elle nous dit enfin que son plus beau défi est d'écrire des livres qui font rire et réfléchir. Alors, née à Orléans, en Ontario, elle habite maintenant euh, Gatineau, au Québec. Et puis, elle aime les randonnées, le chocolat et évidemment la lecture. Alors, André, merci d'être là. Et puis, bonne conférence tout le monde. Merci, merci, bonjour à tous. Euh, je sais que vous êtes nombreux, là, je vois qu'il y a à peu près une, presque une quarantaine de personnes, mais c'est un peu étrange parce que moi, tout ce que je vois, c'est des petits bonhommes gris. Mais je vais vous faire une suggestion. Ça ne sera pas très interactif ce matin parce que c'est une conférence, mais si vous avez des questions, comme disait Louis, n'hésitez pas, écrivez-les dans le chat. Et si vous avez une question et ça ne vous dérange pas, vous pourrez ouvrir votre caméra comme ça, quand je répondrai à la personne, au moins je verrai son visage. D'accord? Alors allons-y, sans plus tarder, on va parler de lecture ce matin. Euh, et je commence avec une citation que j'aime beaucoup. Euh, il est d'un auteur inconnu. Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres. Nous, malheureusement, les humains, on ne peut pas s'envoler. Mais grâce à la lecture, on peut s'envoler. Alors, je ne vous parlerai pas trop de qui fuit. Louis l'a très bien fait. Euh, j'ai été journaliste. J'ai publié une soixantaine de livres. Je suis une auteure franco-ontarienne. J'ai grandi à Orléans. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des gens d'Orléans dans le groupe. Euh, D'ailleurs, ça, c'est un, euh, un de mes livres qui parle le plus de l'Ontario français. Ça s'appelle justement À la découverte de l'Ontario français. J'ai publié euh, une quarantaine d'albums, des albums illustrés, et aussi des romans pour les plus vieux. Euh, oh, attends. Et j'ai aussi publié pour les enseignants un manuel sur quoi faire avec l'album jeunesse en salle de classe. Ça, c'est chez Chanelière. Euh, quelques petites informations sur la conférence ce matin. Euh, J'avais mis une période de questions à la fin, mais en jardin avec Louis, je pense que ça va être très bien si vous avez des questions au fur et à mesure que j'y réponde pendant qu'on est dans le vif du sujet. Alors, n'hésitez pas. Euh, comme je disais un peu plus tôt, euh, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de suggestions de livres, de fiches pédagogiques, de sites web. Donc, je vais envoyer un compte rendu très complet euh, au centre qui pourra le distribuer en, ensuite avec tous les hyperliens et les sites euh, que je vais vous présenter ce matin. Petit rappel, euh, formulaire de présence et de rétroaction, Louis va vous en parler, va mettre ça dans l'information dans le chat. Et euh, comme l'a dit Louis tantôt, ce que je vous présente ce matin, c'est un peu la théorie, pourquoi c'est important de lire à voix haute à vos élèves. Et cet après-midi, ce sera des trucs très concrets, du matériel. Euh, donc, cet après-midi, ce sera un peu la suite, mais dans la pratique, dans le concret. D'accord? Alors. Allons-y, sans plus tarder, la question qui tue, comme dirait Guillaume Lepage. Okay, C'est quoi le plus grand défi pour amener les enfants du 21e siècle à écrire? Je vous invite, okay, tout le monde, vite, 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 15 secondes, qu'est-ce qui est le plus grand défi? Écrivez-nous-le dans le chat. Qu'est-ce qu qui est difficile aujourd'hui hein? euh, ou, ou qu'est-ce qui, qui est un frein à faire lire les jeunes? Est-ce qu'on peut avoir des réponses Oh, je vois des hésitations, je ne vois pas. Ah, le manque d'intérêt, ah, ça c'est clair. Stéphanie, merci. La motivation, ça va ensemble aussi. Les idées, ah, je vois, je vois. Le manque de vocabulaire, ah, je vois deux réponses qui me font grand plaisir. Le portable, la présence de la technologie. Voilà, trop de temps d'écran. Voilà, vous, vous le dites, vous le dites, ah, regardez bien. Le, le grand, grand, grand concurrent à la lecture, les concurrents, ce sont les écrans. Hein, les, euh, oui, le défi de lire ce que nous voudrions, et ça aussi, vous avez raison. On est passé de la culture de l'imprimé à la culture du visuel et de la vidéo. Okay? Et comme vous savez très bien, même des très, très, très jeunes enfants... Euh, maintenant, savent comment manipuler des écrans. Merci pour toutes vos réponses. La passion de la lecture n'est pas transmise. J'adore ça, Marie-Claude. Merci. C'est justement de ça dont on va parler ce matin. D'accord? On s'entend, vous le savez, vous êtes des enseignants, la lecture, c'est la fondation de tous les apprentissages. OK? La lecture, c'est la discipline sur laquelle on construit toutes les autres disciplines. Donc, la lecture est à la base de la réussite scolaire, ok. Mais malheureusement, les jeunes ont de moins en moins de plaisir à lire, ok. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une attitude négative. Vous l'avez dit, les écrans prennent beaucoup de place, et les sondages le montrent année après année après année que euh, la lecture diminue surtout chez les ados. Aussi. Ok, donc ça c'est partout dans le monde, c'est pas juste au Canada. Le temps des écrans a explosé. Euh, les enfants d'aujourd'hui lisent moins que les jeunes de la génération précédente. D'accord. Alors le grand défi de la lecture, puis il y a quelqu'un qui l'a souligné, attendez dans le chat, c'est que la passion de la lecture n'est pas transmise. C'est comment vous, comme enseignant, vous pouvez leur donner le goût de lire. Parce que si ça leur tente de lire, il y a des bonnes chances qu'ils vont lire un peu plus. D'accord Donc, vous, vous leur donnez la compétence à lire. Vous leur apprenez comment lire. Mais je pense que les profs, maintenant, doivent aussi mettre un peu d'énergie à leur donner le plaisir de lire. D'accord Donc, allons-y avec le plaisir de lire. Une des façons les plus incontournables de leur donner le plaisir de lire, c'est de leur lire à voix haute. D'accord Pour leur donner la piqûre de la lecture. Le potentiel pédagogique de la lecture à voix haute en classe est absolument euh, fabuleux parce que les jeunes, ils apprennent sans se rendre compte qu'ils apprennent. D'accord? Donc, la lecture à voix haute en salle de classe, c'est beaucoup plus qu'un petit moment de détente. C'est plus que dire oh là, ils sont fatigués, c'est la fin de la journée, je vais leur lire un petit 10 minutes, ça va les relaxer. Non, il y a un. Ben, oui, ça, c'est très bien, mais vous allez voir, il y a un potentiel pédagogique absolument extraordinaire. Okay? Et, euh, la raison pourquoi, moi, j'ai commencé à donner des ateliers sur la lecture à voix haute, c'est que, moi, je fais beaucoup d'animation dans les écoles. Et chaque fois que je me présentais dans une classe, je demandais au prof, est-ce que tu lis à voix haute à tes élèves? Et souvent, les profs me disaient, j'ai pas le temps, le programme est trop chargé. Ils, ils lisent eux-mêmes, ils ont une période de lecture individuelle. Donc, c'est une pratique qui se perd un peu en salle de classe, surtout euh, chez les plus vieux. D'accord? Ce qui est dommage parce qu'on n'est jamais trop vieux pour lire des albums illustrés, si on va en parler, mais pour se faire lire à voix haute. D'accord? Et là, maintenant, je vais vous présenter les 12 bénéfices de la lecture à voix haute. OK? Voilà. Le premier bénéfice, c'est le modelage. OK? Et ça, c'est une, or, une organisation américaine, sur, sur la lecture, qui dit lire à voix haute aux enfants, c'est la façon la plus efficace de leur montrer comment penser et agir comme un lecteur. Donc, quand vous modelez, quand vous faites, quand vous lisez à voix haute devant vos élèves, ils vous entendent prononcer, ils vous entendent articuler. Okay? Ils voient aussi toutes sortes de comportements de lecteurs, faire de l'inférence, des prédictions, du décodage. Euh, ils vous entendent lire avec beaucoup d'expressions et peut-être des fois, ils vous entendent vous tromper. Et ça, ça montre à vos élèves que les profs aussi ont le droit de se tromper, hein? même si vous, je suis certaine, hein, comme enseignante, vous vous trompez rarement. <laughs> Alors voilà, deuxième bénéfice, euh, développer les connaissances. Donc, quand vous lisez à voix haute à vos élèves, hein, vous leur transmettez des connaissances, des valeurs, des principes, des leçons de vie. Je vous donne, euh, ah oui, ça c'est très important, les connaissances que vous transmettez. Les chercheurs disent que 90 des connaissances qu'on a dans notre cerveau, là, hein, dont on s'est souvenu, on les a acquises par le biais des histoires. Parce que les histoires, ça vient aussi euh, stimuler les émotions. Et ça, ça nous aide à mieux se souvenir des connaissances. OK? Alors. Un petit exemple très simple, je vous dis lire à voix haute à vos élèves, ça va développer leur connaissance. Vous leur lisez cet album-là qui s'appelle « Manchot au chaud » qui parle de, de manchots qui sont euh, euh, couverts par une marée noire, hein, un déversement de pétrole. Donc, ça vous prend dix minutes à lire cet album-là à vos élèves. Et en dix minutes, vous leur parlez de géographie, d'environnement, de marée noire, de biologie, de la faune, de mobilisation d'engagement citoyen, de résolution de problèmes et de tricot. Parce que dans l'histoire, hein, les enfants vont se mobiliser pour sauver les manchots. Alors, vous voyez tout ce que vous pouvez transmettre à vos élèves en à peine dix minutes. Très beau potentiel aussi interdisciplinaire. Hein. On aborde toutes sortes de choses. Ça, c'était pour les connaissances. Troisième bénéfice de la lecture à voix haute, la compréhension. Et ça, c'est très très important pour vous dans votre contexte en Ontario français. Je pense que je pense que tout le monde est ici et pas mal de l'Ontario. Puis vous me l'avez dit au début dans les commentaires vous avez parlé de vocabulaire, d'accord? Donc souvent, euh, les, les élèves qui vivent en français dans un milieu minoritaire, donc entourés d'une mère anglophone, souvent ont pas vo le vocabulaire et c'est difficile pour eux de comprendre ce qu'ils lisent. Donc en leur lisant à voix haute, vous pouvez aller avec eux plus en profondeur. Vous pouvez leur expliquer des mots, les guider, clarifier des choses, les aider à interpréter. Donc ça, ça renforce leur compréhension. D'accord? Donc, si vous lisez à voix haute à vos élèves, vous pouvez leur lire des textes qui sont au-dessus de leur niveau de lecture. Ils ne seraient pas capables de les lire tout seuls, mais qui ne sont pas au-dessous de leur niveau de compréhension. D'accord? Donc, ça permet aux élèves de découvrir des livres qu'ils n'auraient jamais choisi de lire eux-mêmes. D'accord? Parce que vous leur lisez à voix haute. On est toujours dans la compréhension. Pour des élèves qui ont de la difficulté à lire, la lecture en voix haute, pour eux, c'est comme une porte ouverte. Parce que quand c'est vous qui lisez, hein, l'élève, il n'y a pas besoin de décoder les mots, il y a juste à écouter ce que vous lisez. Donc, sa compréhension est facilitée. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, la lecture en voix haute, c'est quelque chose de très démocratique. Parce que tous les élèves dans la classe sont sur un pied d'égalité. Hein? Ils vous écoutent lire. Ils ne sont pas obligés de décoder le texte. Okay? Quatrième bénéfice de la lecture à voix haute, explorer les émotions. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein? mais c'est très, très connu. Lire, c'est ressentir. Okay? Si vous lisez à voix haute à vos élèves, vous allez euh, renforcer leur sensibilité. Peut-être aussi les amener à mieux comprendre certaines de leurs émotions et même de les gérer, peut-être, et de renforcer leur intelligence émotionnelle. Ça, c'est la beauté de la lecture. On est toujours dans les émotions. Quand vous lisez à voix à vos élèves, hein, ils peuvent se mettre dans la peau d'un personnage. Ils peuvent aussi mieux comprendre hein, des gens qui sont différents de nous découvrir d'autres points de vue. Et ça, les recherches le disent depuis plusieurs années, la lecture vient aussi développer l'empathie chez les élèves. Et ça, moi, je l'ai constaté souvent, souvent dans mes animations en classe, quand je fais une lecture à voix haute. On parle toujours des émotions. Dans, dans des moments de stress, d'anxiété, okay, la lecture peut aussi être un réconfort. Je pense, entre autres, ici, c'est pour ça que j'ai mis les fameux masques hein, pendant la pandémie. Les gens se sont remis beaucoup à lire pendant la pandémie. Vous savez quoi? Les ventes, nous les auteurs jeunesse, on était vraiment estomaqués. Les ventes de livres jeunesse ont beaucoup augmenté pendant des, les deux ans de la pandémie parce que la lecture peut être un réconfort aussi. Ah, on parle d'émotions, mais ça peut être des émotions très positives aussi, comme le rire, lire pour rire. Qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant de lire une histoire comique à vos élèves et tout le monde rit ensemble? Ça, vraiment, c'est de très, très beaux moments avec vos élèves quand vous leur lisez à voix haute. On parle de rire. Je vous présente une de mes auteurs jeunesse. Vous allez voir, au, au, au fil de ma présentation, je vais vous présenter certains livres, mi-coup de cœur. Une de mes auteurs jeunesse préférées, Elise Gravel, très connue, évidemment. Elise Gravel, elle, elle aborde des sujets très, très, très sérieux, mais elle est aussi très drôle. Et voici un de ses livres qui est très comique, qui s'appelle Ada la Grincheuse. La Grincheuse en tutu. une petite fille. Ses parents veulent absolument qu'elle prenne des cours de ballet et elle déteste ça. Voilà. Très comique. Un grand auteur, il est français, il n'est pas canadien, mais il est très, très comique. Il a publié par contre des albums au Québec, c'est Michael Escoffier. Je vous garantis, sortez n'importe quel livre de Michael Escoffier de la bibliothèque, vous allez rire avec vos élèves. D'accord Alors je le répète, comme je disais au début, toutes les suggestions de lecture et de sites et de fiches que je vais vous présenter seront dans le compte-rendu à la fin. Cinquième bénéfice de la lecture à voix haute, développer la capacité d'écoute. Et ça, c'est très, très, très important en 2024 parce que les chercheurs ont constaté que dans les derniers 20 ans, notre capacité d'écoute a diminué. Je vous pose la question, tiens, si vous voulez me répondre dans le chat. D'après vous, pourquoi notre capacité d'écoute a diminué? Quelqu'un a une idée? Je vous lis. On écoute moins bien maintenant qu'il y a 10, 20, 30 ans. <laughs> Bravo. C'est Thérèse. Oh, il y a plusieurs noms. Je pense que c'est Thérèse Viviane. Trop <laughs> oh, de distraction réseaux sociaux, les électroniques, exactement. L'emploi de la technologie qui isole les gens, oui, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est on vit à l'ère à, à des écrans, moins de patience. Euh, oui, il y a plus d'annonces à la télévision. Oui, consommation rapide de technologie, difficulté à se concentrer. Oui, absolument. Vous avez raison pour tout ça. Je vous donne un exemple, d'accord? Si, euh, si on demandait à un jeune d'aujourd'hui, okay, un jeune de 10 ans, Là, c'est les éliminatoires de, de hockey. Tu vas écouter la partie de hockey euh, à la radio, comme nos ancêtres écoutaient le hockey à la radio. Quelle serait leur réaction Vous pensez hein? Est-ce qu'ils seraient capables de concentrer pour écouter le hockey à la radio Ok. J'aime beaucoup vos réponses. Merci. Concentration sur l'écran. Gratification instantanée, très bien. Notre capacité d'attention est moins développée. Excellent. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Je pense que vous vivez ce défi-là avec vos élèves. Parce que vous savez quoi? Il y a un lien entre l'écoute et la compréhension. Okay? Si tu écoutes bien, tu vas comprendre mieux. Okay? Et la lecture à voix haute, OK, elle, la beauté de ça, c'est que ça permet de développer cette capacité d'écoute-là, qui est un peu négligée à cause de tous les écrans. Okay? Et bien écouter. Ça se cultive, ça se pratique. OK? Voilà. Ah, j'aime beaucoup cette citation qui est d'une auteure jeunesse euh, québécoise, Linda Amio. Elle, elle dit écouter lire est une autre façon de lire. C'est beau, hein? C'est pour l'écoute. Très important. Sixième. Oh, sixième, je vous montre sept. Sixième bénéfice de la lecture à voix haute, et ça c'est très important pour vous dans un contexte de l'Ontario français. Vous me l'avez déjà dit dans vos commentaires, le vocabulaire. Ok. Quand vous lisez à voix haute à vos élèves, c'est clair qu'ils vont enrichir leur vocabulaire. Ok. Euh, J'ai répété deux fois. <laughs> Ma frange voit ça. <laughs> important dans un, un contexte de langue seconde. Donc vous leur lisez à voix haute et si vous, vous constatez qu'il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, vous êtes en mesure de leur expliquer. Donc, Et puis, ils vont découvrir aussi de nouvelles façons de se servir euh, de mots euh, déjà connus. Oui, merci Stéphanie <laughs> qui me dit, je l'ai écrit deux fois, mais c'est parce que c'est important. Vous avez bien raison, c'est important. Donc, enrichir le vocabulaire. Et ce qui est beau aussi de la lecture à voix haute, c'est que là, ils vous écoutent, ils vous écoutent lire. Hein? Donc, ils vont entendre peut-être plus le rythme dans les phrases, les rimes, la musicalité des mots, comment l'auteur a agencé la, la, la voix de l'auteur. D'accord Donc, ça, c'était pour le vocabulaire. Septième bénéfice de la lecture à voix haute, ça permet de développer la, ce qu'on appelle la littératie visuelle. ok donc, la capacité d'analyser et d'apprécier ce qu'on voit, littératie visuelle, OK? Euh, et euh, ça non plus, l'expression n'est pas de moi, j'aurais dû la mettre en guillemets, mais on dit des fois des albums que c'est des mines d'art. Pas de l'art, ou r mais de l'art, a -R -T, parce que les albums illustrés, évidemment... Euh, ça vous montre, ça permet de développer avec vos élèves l'appréciation artistique. Donc, vous allez, vous allez remarquer comment le style de l'illustrateur, euh, quel, quel médium il a utilisé. Si tu es un crayon à la mine, si tu du pastel, est-ce que c'est de l'huile, la mise en page, okay? les détails des personnages, okay? le cadre, l'intrigue. Et aussi, tout ça, développer cette littératie visuelle, ça permet aussi de développer l'esprit d'observation chez vos élèves. Et moi, je peux vous dire, parce que je fais beaucoup d'animation dans les, dans, les, dans les classes, et souvent les élèves, ils vont me dire, Ah, oh, André, on a lu tel ou tel album de toi. Et là, je leur, je leur demande toujours, avez-vous remarqué telle chose dans les illustrations, telle chose? Et souvent, je me rends compte, n'ont pas remarqué. Parce que moi, j'ai pris l'habitude dans les dernières années de mettre des petits clins d'œil, des, des choses dans les illustrations qui sont pas racontées dans le texte. Donc, il faut être observateur. Ça, c'est développer la littératie visuelle. D'accord Alors, regardez, ça, c'est quatre illustrations de quatre de mes albums, quatre livres différents. Comme vous voyez, quatre styles très, très, très différents. Hein? On pourrait passer une heure juste à comparer les différences de style. Ça c'est l'intérêt visuel. On est rendu au huitième bénéfice de la lecture à voix haute, et ça, ça va vous intéresser, je suis certaine, parce que vous devez faire écrire vos élèves. Donc, ça peut être un très beau tremplin vers l'écriture. Je vous explique. Quand vous lisez à voix haute à vos élèves, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont plus de, ils peuvent concentrer davantage sur l'histoire parce que ils sont pas la, ils sont pas obligés de lire. Ils ils vous écoutent, donc peut-être qu'ils vont pouvoir entendre ou remarquer plus clairement comment l'histoire est racontée. Par exemple, hein, et ça vous pouvez évidemment les guider pendant que vous leur lisez à voix haute. Ils vont remarquer des procédés d'écriture. On va dire ah oui, ok ici l'auteur a le fait des listes, ou ici l'auteur là euh, c'est juste des dialogues. Ok, vous pourriez remarquer aussi comment l'auteur a accroché le lecteur dès les premières lignes. OK. Les dialogues, j'en ai parlé, en comment l'auteur fait parler ses personnages, comment l'auteur crée du suspense, conclut son récit. Tout ça c'est des choses que vous pouvez remarquer avec vos élèves quand vous leur lisez une histoire et ça ça peut les aider après à écrire eux-mêmes. D'accord La lecture à voix haute, ça peut aussi être une belle source d'inspiration. Moi je le vois souvent dans, dans mes animations. Moi, je, la plupart du temps, je termine une animation en lisant un album aux élèves et souvent, ils viennent me voir après et me disent, Oh, moi aussi, j'ai une idée, je vais écrire telle affaire ou, ou là, je vais écrire une suite avec ce personnage-là, etc., etc., etc. Donc, euh, les élèves peuvent, peuvent aller chercher des idées ou il y a des idées qui vont naître, des histoires que vous allez leur lire. Euh, il y a quelqu'un qui me pose une question dans le clavardage. Oui, la présentation. Merci. La présentation va être complète avec tous les liens et tous les douze bénéfices et tout. Vous allez voir tout ce que je vous raconte là, vous allez l'avoir en compte-rendu par écrit. Ne vous inquiétez pas. Ah, ben là on parle d'écriture. Alors je vous fais une suggestion euh, d'un livre vraiment qui devrait être dans toutes les salles de classe. Je vous dirais de la deuxième année, même jusqu'à la septième et huitième année. C'est un livre d'Élise Cravel, encore une fois, mais c'est un livre sur l'écriture. Hein? Et ça s'appelle Le pire, li pire livre du monde. Et c'est très, très drôle parce que c'est l'histoire d'une auteur qui essaie d'écrire une histoire. Et vous voyez les deux petits, euh, les deux petits bonhommes en bas là, qui un ressemble à une efface. Et eux, ils sont coincés dans l'histoire de l'auteur. Et là, ils n'arrêtent pas de critiquer ce que l'auteur écrit. Et ce qu'ils critiquent, c'est les défauts d'écriture qu'ont souvent les élèves. Ils lui disent Ah, bien là, tu as fait une faute. Ah, ben ça, c'est vraiment un cliché, on l'a toujours entendu, c'est pas très original. Ou là, c'est tout mêlé, ton affaire, on comprend rien. Donc, c'est vraiment pour euh, décrire euh, nos défauts d'écriture les fautes d'autographe, les stéréotypes. Et dans la forme, c'est très très drôle. Donc, c'est une leçon d'écriture, mais en s'amusant. Ok. Oui, quelqu'un ah, quelqu'un me dit j'adore ce livre. Et Sophie dit que ah les, oui, c'est vrai le, les livres de Chester de Melanie Watt. Oui, vous avez raison. Ou il hein, y a un petit personnage qui est toujours en train d'intervenir euh, euh, puis d'interrompre la narration. Voilà. Donc, pour mieux écrire. On est rendu au neuvième bénéfice de la lecture à voix haute, les discussions. Ah, ça, c'est vraiment des moments formidables parce que une fois que vous avez lu à voix haute à vos élèves, vous en jasez ensemble après. Et Anthony Brown, euh, qui est un écrivain, artiste britannique, qui est un grand, grand, grand auteur, d'ailleurs, il a gagné euh, ce qu'on appelle le Nobel de la littérature jeunesse. Euh, je, vais, je vais parler cet après-midi de Petite Beauté. Ben, en fait, je vous en dis deux mots tout de suite au cas où je revois pas des gens d'ici euh, cet après-midi. Petite Beauté, c'est un album, euh, c'est un classique, okay? Un album qui peut être lu aussi bien en première année qu'en huitième année. C'est un livre absolument extraordinaire. En fait, je vous le présente un peu plus loin. Donc, je n'en dis pas plus. Mais euh, si vous n'avez pas Petite Beauté dans votre classe ou dans votre bibliothèque d'école, dépêchez-vous de le commander. C'est un grand, grand livre. Euh, alors, Anthony Brown, il dit, parce que là, on est dans les discussions, lire un album à des enfants mène à des conversations formidables. Donc, discuter avec vos élèves, une fois que vous leur avez lu une histoire, ça, ça permet un paquet de choses. Premièrement, ils vont sourire aux idées des autres. Ils vont apprendre à exprimer leur opinion. Et aussi, on l'espère, écouter les opinions des autres hein, de façon respectueuse. Ça, c'est un, euh, un problème social qu'on a beaucoup, beaucoup en ce moment, au cas <laughs> où vous ne l'avez pas remarqué. Hein. Les gens ne respectent pas toujours les opinions des autres, euh, surtout sur les médias sociaux. Favoriser la compréhension mutuelle. Parce que qu'en jasant de l'histoire, il y a peut-être un élève qui va faire un commentaire, va dire Ah oui, mais vous savez, l'ours, là, moi, je pense qu'il a mangé le petit chaperon rouge parce que pour telle, telle raison. Et là, l'autre élève va dire Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Donc, euh, ce débat-là, ces échanges-là, ça permet de partager des opinions l'interprétation et leur appréciation, meilleure compréhension, je l'ai dit, ça permet surtout de développer leur esprit critique. Parce que là, vous leur lisez l'histoire, puis après, vous leur demandez, euh, bon, avez-vous aimé ça? Puis là, ils vont peut-être vous dire, oui, oui, oui. Alors, pourquoi vous avez aimé ça? Et là, ils vont vous dire, parce que c'était bon. Et là, vous allez dire, ben là, c'était bon, comment? Et pourquoi c'était bon? D'accord? Donc, les amener à exprimer de façon plus concrète, hein? Euh, leur appréciation d'un livre. Et voilà la richesse des discussions. Dixième bénéfice de la lecture à voix haute, c'est que ça vous permet aussi de renforcer la culture littéraire de vos élèves. Je suis certaine que tout le monde ici a des élèves qui disent, euh, moi j'aime juste la bande dessinée, je lis rien d'autre. Okay. Donc, quand vous lisez à voix haute, vous pouvez leur faire découvrir toutes sortes de genres. Évidemment, de la fiction, des histoires inventées, des documentaires, de la poésie. Il se publie maintenant des recueils de poésie absolument fantastiques pour les jeunes. Je vais vous en donner des exemples tantôt. Euh, un abécédaire, une biographie, vous pourriez même leur lire une pièce de théâtre, un roman historique, etc., etc. Donc, renforcer leur culture littéraire, d'accord et pourquoi c'est important de renforcer leur culture littéraire? surtout nous en ontario français où on est tout le temps tout le temps comme vous savez obligés de lutter pour la préservation du français ben la culture littéraire, c'est pour moi j'appelle ça euh, lutter contre la coca colonisation Le hein, coca cola ça c'est les américains les américains ils ont une culture très 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 forte euh, euh, et très envahissante aussi hein, qu'on pense à la musique américaine au cinéma américain euh, aux livres aussi américains donc euh, je, je, je peux pas vous dire le nombre de classes où je suis allée où je voyais dans une bibliothèque de classe euh, des, euh, des des albums ou des livres de Walt Disney traduits en français et ça, je dois vous dire que ça me désole toujours un peu. Premièrement, c'est souvent des livres qui sont adaptés de films. Donc, on s'entend que ce n'est pas déjà une grande qualité littéraire. Deuxièmement, c'est souvent des livres traduits. Troisièmement, c'est souvent des livres traduits par la France. Donc, pas dans un vocabulaire adapté. Et finalement, je me dis, mais on a une littérature okay, canadienne, française et québécoise qui est très forte. Pourquoi donner à nos livres des traductions de films américains? D'accord? Donc, lutter contre la coca colonisation. Donc, ça permet aussi de, aux jeunes de développer leur identité. Il y a des auteurs jeunesse maintenant en Ontario français. Donc, euh, c'est une belle occasion aussi de les faire, euh, de les faire découvrir à vos élèves. D'accord? On est rendu au onzième bénéfice de la lecture à voix haute. Et celui-là, vous allez voir, il est vraiment très, très chouette. C'est ce qui se passe entre vous et vos élèves quand vous leur lisez à voix haute. La complicité qu'ils développent. Les Américains ont une très belle expression pour ça. Ils appellent ça du literary bonding. Bonding, bond. Créer un lien. D'accord? Moi, j'ai traduit ça en parlant de complicité. Parce que... Ce qui est intéressant de la lecture à voix haute, c'est que ben, la lecture comme telle, okay, c'est un acte solitaire, n'est-ce pas? Quand vous lisez un livre, vous êtes tout seul devant la page, vous lisez votre livre. Mais quand vous lisez à voix haute à vos élèves, ça devient un acte social, ça devient hein, une activité partagée. Et ça, ça veut dire qu'il ben, y a des apprentissages, hein, je vous en parle depuis une demi-heure, mais il y a aussi des plaisirs partagés, d'accord? Donc, quand vous lisez ensemble, ben, que vous lisez à vos élèves, tout le monde voyage ensemble au cœur de l'histoire, dans le livre, OK? Donc, tout le monde vit en même temps les mêmes émotions. Des fois, c'est de la peur, des fois, c'est de la tristesse, des fois, ça peut être le rire, OK? Et de vivre ça ensemble, cette expérience-là, d'entrer dans une histoire, hein, ça développe un sentiment d'appartenance. Okay. D'où cette très belle expression, qui est aussi un jeu de mots, hein? les livres relient. Les livres relient les gens et on peut penser aussi à la reliure d'un livre. Alors, complicité, literary bonding. D'accord? Douzième bénéfice de la lecture à voix haute c'est la motivation de vos élèves vous en avez parlé au début dans le chat quand je vous ai posé la question c'est quoi le plus grand obstacle hein? pourquoi les jeunes ne lisent pas ou, ou, ou sont réticents à lire et vous m'avez dit la motivation mais si vous leur lisez à voix haute de façon régulière en classe et si vous le faites avec beaucoup de passion de plaisir hein, de joie ça ça, ça peut devenir hein, communicatif ça peut leur donner le goût de lire et surtout ça peut euh, leur donner une attitude positive à l'égard des livres. Ils peuvent se dire Ah oh, bien tiens, la lecture, c'est pas si plate que ça. Attendez, je vois une question dans le chat. Oui, euh, est Claire, hein? est-ce que c'est vous Oui. Claire... Je vois Claire prendre des notes. Est-ce que c'est vous, Claire, qui mettez les, les, les euh, commentaires dans le chat? Claire, non, c'est pas vous. OK. Non, c'est-tu Louis? Oui, okay. oui c'est moi. Ah oui, OK, c'est parce que je me disais des fois je regarde le chat mais des fois si jamais je ne vois pas la question, oubliez pas de me le signaler, OK Parce que là je vois ben, une question et, je... de ri. Oui, justement, il y avait un commentaire de Rita qui dit euh, donc que euh, vous suggérez qu'on utilise uniquement des livres en ontariens et non français pour que l'enfant mmh. ait un vocabulaire adapté Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut euh, faut, ben, premièrement des livres en ontariens je veux dire il y en a des il y en a des livres jeunesse mais il y en a pas il y en a pas tant que ça vous voulez de la diversité euh, moi je vous dirais essayez d'aller davantage vers des auteurs québécois il y en a beaucoup plus que des auteurs jeunesse en rien c'est sûr et ça ça risque d'être un vocabulaire qui est beaucoup plus proche euh, de, du langage qu'on parle au Canada. Évidemment, la France a des milliers de livres jeunesse qui sortent à chaque année et il y a de la grande qualité dans la littérature française aussi. Donc, moi, je ne vous dis pas, ne lisez que du franc-ontarien. Présentez-leur en une diversité, mais si c'est possible d'éviter les traductions, moi, je vous dirais, essayez d'aller vraiment vers des auteurs qui écrivent en français. Et là, je sais que tout de suite, ça, c'est pas facile parce que je sais que beaucoup, beaucoup d'écoles achètent ces scholastiques, entre autres, parce que euh, c'est moins cher. Mais scolastique, c'est énormément de traductions et c'est souvent des traductions d'auteurs américains. Des fois, c'est même pas des auteurs canadiens. Donc, pensez à ça aussi quand vous faites vos, vos choix de lecture. D'accord? Et euh, on avait une autre question qui dit, « Qu'en dites-vous de la lecture à haute voix d'un roman? » Absolument, absolument. Je viens, vous allez voir, on, je vais vous présenter différents, euh, différents genres littéraires à lire, puis on va parler de lecture de roman, absolument. Et je vais demander, j'ai oublié son, son nom, euh, est-ce que c'est Annie qui est à Hawkesbury quand on va parler de la lecture de roman, peut-être qu'Annie pourrait nous raconter comment elle a lu à ses élèves la plus grosse poutine du monde. Euh, Rita qui nous dit, je n'aime pas les livres traduits. Merci. <laughs> Annie, oui, c'est Annie. Merci. OK. Um, on continue. Merci, merci pour vos questions. Continuez, n'hésitez pas. Ça, ça permet d'être un peu plus interactif, même si je ne vous vois pas. Euh, voilà, ça, c'était le douzième. André, et... excuse-moi. Moi encore, oui. il y a une autre question qui dit, euh, les élèves ont-ils d'abord chacun un exemplaire ou non? OK, oui. Euh, là, on, on vous m'amenez déjà ailleurs, on va en reparler de la lecture de roman, mais je réponds tout de suite à cette question-là parce, que, euh, parce que vous la posez maintenant pour la lecture d'un roman. Dans un monde idéal, oui, chaque élève aurait euh, sa copie du roman. Et il y, a des, il y a des écoles qui le font. Il y a des écoles qui s'organisent. Euh, il, y a des, il y a des écoles qui demandent aux parents de l'acheter. Ça, c'est dans un monde idéal. Si ce n'est pas possible, euh, la meilleure façon de lire un roman en classe, donc on appelle ça une lecture feuilleton, c'est-à-dire mettons un chapitre par jour, hein, comme, comme un roman feuilleton, comme un téléfeuilleton à la télé. Okay? Euh, donc, vous leur lisez là, un, un passage, un, un chapitre par jour. La meilleure façon de lire un roman à vos élèves en classe en respectant les droits d'auteur. Parce que vous ne pouvez pas euh, photocopier un roman, ni le reproduire, ni le numériser. Ça, ça ne respecte pas les droits d'auteur. La meilleure façon, et ce n'est pas très coûteux, c'est avec une caméra document. Okay? Donc, vous mettez. Parce que là, vous ne reproduisez pas le livre. Vous le projetez au tableau, la caméra document. Est-ce que vous êtes familier avec ça? J'espère que oui. Euh, il y a aussi, et vous allez voir, c'est dans dans, pour les romans, mais même pour les albums, il y a aussi de plus en plus maintenant de sites. Où vous pouvez aller lire, vous vous inscrivez, surtout comme, les enseign comme enseignants, et vous pouvez avoir accès à des livres gratuits, à lire, euh, des livres numériques. D'accord? Et, et là, comme ces sites-là, je vais les nommer La Bibliothèque des Amériques, Biblius, comme ces sites-là, euh, Télé-Québec en classe, comme ces sites-là ont acheté les droits aux maisons d'édition, vous pouvez les projeter de façon numérique à vos élèves en respectant les droits d'auteur. OK? Et là, je vois que là, je commence à avoir beaucoup de... de, de euh, <laughs> C'est formidable, de, euh, de questions sur la lecture à voix haute. Là, si vous permettez, je continue un peu dans la théorie, puis après, on va arriver dans le concret, parce que là, on me demande, okay, est-ce que les, euh, les élèves participent? Okay. Ah, euh, ben oui, évidemment. Moi, je suis... Très, 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 comment je pourrais dire, très, très, très pro-lecture interactive. Lecture à voix haute interactive. Puis je vais en parler un peu ce matin, mais davantage cet, cet après-midi pour vous donner des trucs pour que, oui, justement, ça devient la lecture à voix haute en salle de classe, une activité où il y a un échange, hein, où le prof euh, favorise des apprentissages en posant des questions aux élèves et en, les, en leur laissant poser des questions. OK. Euh, il y a quelqu'un qui a mis, peut-être c'est Louis, euh, au centre Franco aussi. Vous envoyez le lien dans le chat. Je crois qu'il y a c'est des livres gratuits, c'est bien ça, Louis? Oui, c'est ça, c'est comme une, une bibliothèque virtuelle, puis chaque élève de l'Ontario français a accès à ça. Puis on ajoute des livres à chaque année. Fait que c'est à explorer. Excellent, excellent. Je vois un commentaire, attendez un instant, de qui dit, On a lu Ah une tournée d'enfer de Daniel Marchidon, bravo, auteur franc-ontarien. Euh, et chacun, ah oui, ça c'est fantastique. Chacun avait sa copie du livre. Attendez, ça c'est Rita qui nous dit ça. Merci Rita. On travaillait chaque chapitre, on donnait des idées de ce qui allait passer. Ah, formidable. Alors, vous voyez, il y en a qui en font déjà de la lecture à voix haute. Excellent, excellent. On retourne. À, euh, à la motivation, c'était le douzième bénéfice, d'accord? Euh, en leur lisant à voix haute, vous allez peut-être donner le goût à des élèves de lire par eux-mêmes. Vous allez peut-être stimuler hein, les non-lecteurs ou des élèves qui ont plus de difficultés à lire. Et surtout, on l'espère, vous, vous pourriez peut-être modifier comment ils perçoivent la lecture. Hein. Ils, ils pourraient arrêter de dire Ah oh, ben là, c'est plate lire. Et dire, diront oh, ben, moi, je m'essaye. Hein. Je vais vraiment aimer ça quand l'enseignante nous a lu un album ou un roman. D'accord. Euh, quelque chose d'important sur la motivation, d'accord. Les élèves, OK, qui développent la compétence à lire, ce qui est le cas de pas mal de tous les élèves, on va le souhaiter, hein, qui développent la compétence, mais ils ne lit pas. Okay, cette compétence-là a tendance à diminuer. OK? Et ça, il y a des, des chercheurs qui ont fait des études sur des étudiants, ça, des étudiants qui avaient terminé leurs études universitaires et qui ont arrêté de lire et se sont rendus compte que même adultes, hein, quand, on, quand on ne lit plus, notre capacité de lire diminue. D'accord? Et c'est encore plus important quand les jeunes sont au primaire ou au secondaire. Je vous avais dit. 12 bénéfices de la lecture à voix haute, mais si vous me permettez, il y en a un treizième, okay, et dont le moindre, d'accord, c'est euh, une raison de faire la lecture à voix haute à vos élèves, c'est la concurrence des écrans. Okay. Le livre est face à des géants, hein, vous les voyez ici, TikTok, là, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Il, il, il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent, là, euh, TikTok, voilà. Mais. La treizième raison de lire à voix haute, c'est que vous offrez à vos élèves, quand vous leur lisez en classe à voix haute, un moment sans écran, un moment débranché. Hein? Il n'y a pas de clic, là. il n'y a pas de souris, je ne saute pas d'un écran à l'autre, j'écoute l'enseignante me lire une histoire. Okay? Quand ils sont sur Internet, c'est très visuel, okay? c'est tout cuit dans le bec. Mais quand vous leur lisez à voix haute, ils doivent faire travailler. Leur imagination. OK? Il peut fermer les yeux et là s'inventer un univers, d'accord? S'inventer un monde pendant que vous lisez. Et euh, ça, c'est une très, très belle expression que j'aime beaucoup. La lecture à voix haute, ça permet au lecteur, ben, à, à l'élève qui écoute de se faire du théâtre dans sa tête. D'accord? Voilà. Et là, je vous ramène à euh, Daniel Pennac. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent euh, son classique qui s'appelle comme un. C'est un auteur français euh, qui a publié un livre qui s'appelle comme un roman et ça parle de lecture. Et Daniel Pennac, lui, a euh, défini les dix droits du lecteur. Vous les voyez ici hein, pas lire, lire, lire n'importe où, etc., etc. Et là, récemment, il y a quelques années. Daniel Penac a rajouté un onzième droit du lecteur, qui, vous allez voir, est en lien avec ce dont je vous parle en ce moment. Et le onzième droit que Daniel Penac a rajouté, c'est le droit d'éteindre votre téléphone portable pour lire tranquillement. D'accord? Et c'est ce que vous offrez à vos élèves quand vous leur lisez à voix haute. C'est un moment loin de l'écran. Et je dois vous faire une confession. Moi-même, qui suis auteur, qui écrit des livres, qui était une qui était, ben, je reste quand même une grande lectrice, mais depuis que les écrans sont dans ma vie, le téléphone, hein, la tablette, je lis moins, je lis moins. Et moi, imaginez, je suis une adulte, hein, j'ai pas grandi, moi, avec le téléphone greffé dans la main, là. je suis une adulte d'un certain âge et je suis une auteure, mais je lis moins à cause des écrans. Alors imaginez les jeunes d'aujourd'hui à quel point c'est un défi hein, de les amener euh, à lire. Donc, ça, c'était le onzième droit. De Daniel Pennac. Alors, les voici, les 13, euh, les 13 raisons de lire à voix haute en salle de classe. Vous allez avoir tout ça dans le compte rendu. Je vois que Rita a levé la main, j'aime bien. On vous écoute, Rita. Bonjour. Hey, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. <laughs> Moi, je vais ajouter, renforcer l'idée que tu viens de dire. Lorsque mes enfants étaient petits, l'invasion des, euh, des téléphones n'était pas aussi que maintenant. On avait l'habitude, mon mari et moi, chaque jour, chaque jour le soir de prendre un livre et de lire. Mes enfants, sans que je leur dise lisez, ils prenaient des livres et, li et lisaient avec nous. Ils nous prenaient comme exemple. Maintenant, voilà. maintenant, tout a changé. Chacun le soir a son propre téléphone. Ça me rend très triste, mais je ne peux plus changer. Le téléphone, mmh. vraiment, a euh, fait son invasion, même avec les petits. Oui, oui. Oui, je, je, et vous savez, ce que vous décrivez, cette réalité-là, dans votre famille, je suis convaincue que c'est partout, 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 les familles oui. vivent ça. moi, je donne un atelier aux parents sur l'importance de la lecture et je dis aux parents. Lisez en famille, faites-en une activité, faites-en une belle soirée avec du popcorn, du chocolat chaud, mais ça peut être des moments de complicité en famille absolument fabuleux. Et les études démontrent que, vous savez, la fameux, le fameux rituel euh, avant d'aller se coucher, où le parent lisait un album à l'enfant, malheureusement, les jeunes parents, il y en a de moins en moins qui le font. Et ça, oui. ça se perd aussi dans les oui. familles. Moi, je Merci le chaque jour, chaque jour, je lisais à mes enfants et ils, ils attendaient. Maintenant, c'est euh, le temps de l'histoire. On va lire ensemble. Mais maintenant, dommage, dommage vraiment. Oui. Et oui, c'est un oui, moment oui. qui relie la famille aussi, pas seulement oui. pour lire. Absolument, Merci. vous avez raison. Et là, je vais, je vais vous raconter puis après on continue. Euh, je vous raconte juste une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai deux filles, c'est des adultes maintenant et elles ne lisent pas beaucoup non plus, alors qu'elles étaient de bonnes lectrices quand elles étaient jeunes. Et à Noël dernier, elles m'ont donné un cadeau qui m'a fait un grand, grand, grand plaisir. Elles m'ont donné un. Elles ont créé un club de lecture familial. Alors, on a eu deux rencontres de notre club de lecture depuis Noël dernier. Alors, on a lu tous les quatre le même livre. On s'est rencontrés pour souper et on en a discuté ensemble. Je vous donne cette idée-là aussi dans votre propre famille parce que moi, premièrement, le cadeau m'a fait un grand, grand plaisir. Je me dis, ah oui, mes filles comprennent que la lecture, c'est important pour moi et que j'aimerais les voir lire comme adultes. Et on, on a lu le même livre et on en a discuté et ça a été vraiment très, très agréable. Alors voilà, j ai, j ai, je vous raconte ma vie, mais peut-être pour vous inspirer, euh, vous, peut-être que Rita, vous pourriez faire ça aussi avec, euh, avec vos enfants. Dire, on va tous lire le même livre et on prend un moment et on en jase ensemble. Voilà. Je continue maintenant. Euh, vous avez vu les 13 bénéfices de la lecture à voix haute en salle de classe. Et ça, c'était pour vous montrer. Que la lecture à voix haute, c'est beaucoup plus que juste un petit moment de détente à la fin de la journée quand les élèves sont fatigués. Il y a un potentiel pédagogique absolument fabuleux. Et cet après-midi, dans l'atelier plus concret, on va parler aussi de la lecture à voix haute en se donnant une intention pédagogique. Comme par exemple, vous pourriez vous dire, ben moi je vais lire tel album à mes élèves. Puis, tiens, on va parler de discrimination ou de racisme. vous pourriez dire, je vais lire tel album à, à mes élèves, puis on va parler de toutes les figures de style. Il y a des, il y a des livres pour maintenant, il y, a, il y a une telle diversité que les intentions pédagogiques okay, peuvent être infinies. D'accord? Donc, allons-y maintenant pour regarder c'est quoi les obstacles à la lecture à voix haute en salle de classe. Parce que moi, souvent, les profs me disent, je ne le fais pas, je n'ai pas le temps. D'accord? Donc, le manque de temps, et ça, c'est Daniel Penac, l'écrivain français, qui dit La question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou pas, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur. Euh, L'âge des élèves. On me dit souvent ils sont assez vieux, cinquième, sixième année, ils peuvent lire de façon autonome. Et c'est là qu'on arrête de lire avec eux, à la fois les parents et aussi à l'école, dans les classes. Et moi, je vous dirais au contraire plus l'enfant vieillit, plus il s'approche des écrans, hein, plus les écrans prennent la place dans sa vie et plus il s'éloigne du livre. Donc, je trouve que c'est encore plus important de lire à voix haute aux pré et aux ados parce que ce sont eux qui s'éloignent de la lecture. D'accord Et vous savez, je l'ai fait souvent, même au secondaire, de lire un album à des élèves. Ils ont 12, 13, 14 ans. Ils adorent ça. Ils adorent. On n'est jamais trop vieux pour lire un album. Voilà. Euh, lecture à voix dans un contexte de langue seconde, ça, c'est un phénomène on, dont on entend parler euh, depuis plusieurs années. C'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Okay? Ça, il y a des enseignants qui me disent, ça, je l'ai vu dans l'ouest hein, du pays, euh, en Alberta, en Saskatchewan. Les gens me disaient, les francophones, les profs, qui souvent, le français n'est pas leur langue première, disaient « Oui, mais moi, je suis gêné par mon accent et puis euh, j'ai pas le même accent que, les, les, mettons, un Québécois. » Et là, moi, je dirais apprendre une langue seconde, hein, c'est apprendre à se tromper. OK? Et si vous lisez à voix haute à vos élèves, puis que vous prononcez mal un mot, ou que vous butez sur un mot, c'est pas grave. Ça leur montre qu'on a tous le droit de se tromper. OK? Qu'on n'est pas parfait, et c'est parfait comme ça. Comme la fameuse tour de piste. D'accord? Euh, quand on se trompe, Hein? On peut se demander tout de suite qu'est-ce que j'ai appris de mon erreur. Attendez, je descends dans le, dans le chat. Ah! Formidable! Il y a Stéphanie qui me dit, elle lit régulièrement des albums à ses élèves de 5e et 6e année. C'est fantastique. OK. Votre adresse courriel avec votre conseil scolaire. C'est un service pour la communauté des conseils. Moi, est moi qui, oui, est-ce que. C'est moi qui répondais parce qu'on posait la question par rapport à Livrel, oh. qui est le service que le Centre Franco offre. Ben oui, euh, pour pouvoir l'utiliser, il faut être membre d'un conseil scolaire de l'Ontario français. Alors donc, oui, Excellent. adresse courriel du, de votre conseil scolaire. Voilà. Formidable. Merci. Wow. Excellent. On continue. On était dans. Alors là, je vous présente, maintenant, je regarde le temps qui file, euh, je vous présente euh, des, des, des livres en diversité de genres qui vous permet, qui va vous permettre justement de voir toutes les possibilités de la lecture à voix haute en salle de classe. Alors, évidemment, le premier, à notre premier réflexe, c'est euh, les albums illustrés. Et ça, j'ai vu Stéphanie qui disait qu'elle en liait en cinquième et sixième année. Vous savez quoi? Le, le, il y a des albums maintenant qui se publient pour des jeunes du secondaire. La diversité des albums illustrés est absolument phénoménale. D'accord. Donc, je vous en présente un qui est un de mes coups de cœur parce que c'est un sujet euh, qui est très d'actualité. C'est un album illustré de Jean Goldstein, qui est un auteur-illustrateur québécois et qui est aussi juif. Hein. Et Les Étoiles, c'est un très beau texte qui présente euh, une amitié entre un petit garçon juif et une petite musulmane euh, parce que tous les deux, ils sont euh, fascinés par euh, l'astronomie. Donc ils deviennent amis et là leurs parents leur disent vous pouvez pas être amis parce que hein, lui est juif elle est musulmane donc euh, voilà Yaakov et Aïcha ok euh, et c'est comme je vous disais c'est un sujet extrêmement d'actualité en ce moment on le voit partout euh, le début là, du conflit à Gaza et aussi l'islamophobie. Donc, ça vient des deux côtés. Donc, ça, c'est un très beau livre pour aborder un sujet d'actualité avec vos élèves. Hein. Parler des barrières euh, culturelles qui souvent sont mises là par les adultes. Ça veut dire quoi? Euh, la religion pour les élèves, euh, les défis d'avoir un ami d'une autre culture, ce qui nous rapproche au lieu de nous, euh, de nous séparer. Alors, vous voyez toutes les belles discussions que après avoir lu une histoire comme celle-là à vos élèves. Il y a du matériel pédagogique, il y a une fiche pédagogique sur euh, les étoiles. Je vais vous envoyer le lien. C'est publié par la maison d'édition La Pastèque. Vous allez avoir le lien dans le compte rendu. D'accord? En fait, tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui ont du matériel pédagogique gratuit. Okay? Que ce soit une fiche, un quiz de lecture. Et ça, vous allez avoir tous les hyperliens dans le compte rendu. Ça, c'est un. On parle d'album, un album que j'adore, qui est très drôle, mais en même temps très riche. C'est un album sur le vivre ensemble. Donc, ça s'appelle Chère Monsieur Donald Trump, c'est publié au 400 coups. Et c'est l'histoire d'un petit gars qui doit, une petite personne qui doit partager sa chambre avec son grand frère. Et le grand frère est pas respectueux, il est tannant, il met de la musique, il ne se ramasse pas. Alors, le jeune, lui, il décide qu'il veut construire un mur. Au milieu de sa chambre, hein, pour se séparer de son grand frère. Comme Donald Trump, Trump, quand il était président, voulait construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il euh, y, y a tout un historique des grands murs dans l'histoire, euh, dans l'histoire de l'humanité. Qu'on pense à la muraille de Chine, le mur de Berlin. Euh, ça parle du vivre ensemble, deux frères qui doivent apprendre hein, à se ce... Ben, à, à, à pas chicaner parce qu'ils partagent la même chambre. Et dans la forme, c'est très, très drôle. Et aussi, ça vous permet d'explorer avec vos élèves ce qu'on appelle le genre épistolaire, parce que toute l'histoire est racontée par des lettres. Parce que le petit garçon, il envoie ses lettres à Donald Trump. Donc, ça vous permet aussi d'explorer ce type d'écriture-là. Donc, Charles Donald Trump, Charles Donald Trump il y a aussi, vous voyez, ça, c'est une des discussions. Alors vous voyez, je trouve c'est très très drôle. On voit souvent Donald Trump, mais juste ses cheveux. Alors vous le voyez ici là devant, qui est en train de construire son mur. Voilà. Euh, un autre album illustré qui est un de mes coups de cœur et qui parle aussi d'un sujet d'actualité, euh, l'itinérance, les sans-abris. Et ça s'appelle la case 144 euh, et c'est publié. C'est une très très belle histoire d'une petite fille qui joue à la marelle, d'accord, dans, dans sa ville, en fait, qui est Montréal. Et euh, un jour, en, en faisant son, son jeu géant de marelle, elle, elle tombe sur un sans-abri. C'est pour ça que ça s'appelle la case 144. Donc, c'est sa réalisation de comprendre qu'il y a des gens qui ont pas de maison et qui vivent dans la rue. C'est très très beau, c'est très touchant. Euh, et ça vous permet d'explorer un thème d'actualité. D'accord? Lire des albums concept. Okay. Ça, c'en est un des miens, mais un album concept, euh, le mot le dit, il n'y a pas d'histoire. Un concept, celui-ci, c'est très simple. Il, a, il, a, il aborde, il explore le concept de, 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 de ce que ça veut dire donner. À quel âge on donne? Comment on peut donner? Pourquoi on devrait donner? D'accord? Euh, c'est ça. Euh, comment on se sent quand on donne Est-ce que donner, c'est comme partager Alors, il y a une fiche pédagogique aussi pour cet album-là. Donc, ça, c'était les albums illustrés. On va parler de romans aussi. Lire des romans, euh, un chapitre par jour, lire des romans qui font peur. Ça, les jeunes adorent ça. Et la collection noire de la Courte-Échelle est une collection très, très, très populaire. Dans les salons du livre, là, vous, voyez, euh, vous voyez les jeunes euh, euh, devant, la, de, devant la, le kiosque de la courte échelle acheter des, euh, acheter des romans noirs. Excusez-moi, je vois une question dans le chat. Est-ce que j'ai identifié les niveaux ciblés en suggérant ces albums? Pas du tout. Alors, moi, comme auteur, mais vous, comme enseignante, vous verrez comment vous gérez ça. Moi, je ne donne jamais d'âge. Euh, ni pour les romans, ni pour les albums, parce que c'est vous qui connaissez mieux le, 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 votre groupe, qui connaissez leur niveau de compréhension, leur maturité. Et je vous dirais que les albums, euh, des préjugés, que c'est juste pour les petits, il y a des albums qui sont des chefs-d'œuvre, je vais vous parler de Petite Beauté, d'Anthony Brown, qui peuvent être lus aussi bien par des adultes que des enfants. Donc, n'ayez pas peur en lisant des albums à vos élèves, de leur, de leur lire des albums qui des fois sont comme euh, au-dessus de leur niveau de compréhension. Ils vont dire, ah oh oui, oui, ça c'est facile, ah oh, oui, mais ça c'est pour des petits. Mais même quand vous leur lisez des histoires faciles, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Stéphanie qui nous dit, j'aime beaucoup la euh, collection, euh, <laughs> la collection non tant mieux. Vous pouvez aussi leur lire des documentaires hein, pour découvrir l'histoire, la biologie, les sciences. Je vous en donne un exemple ici que je trouve très beau, c'est la ville à dos d'éléphant. Et euh, c'est ce qu'on appelle une fable écologique et ça raconte l'histoire de la ville de Tetford Mines où on a ouvert au début du siècle une mine d'amiante. OK. Avec tout ce que ça a amené de, euh, de dégâts et de destruction environnementale. Okay. Donc, c'est une catastrophe environnementale. C'est très fort au niveau visuel. Pardon, discutez, je suis allée trop vite. Vous voyez, euh, tout est gris. L les dos d'éléphants, c'est en, en vidant, c'est en travaillant dans la mine, il y a des énormes montagnes de débris qui ont été créés hein, autour de Tetford Mines et c'est ce qu'on ce qu appelle les dos d'éléphants. Donc, beaucoup, beaucoup de potentiel pédagogique autour d'un livre comme celui-ci. On parle de sciences, de biologie. La guerre des bébés, je vous, je vous le présente, celui-là, parce qu'il est très, très drôle. Et c'est un, un livre où les enfants discutent entre comment on fait des bébés. Donc, mine de rien, par le biais de l'humour et des conversations entre les enfants, ils comprennent petit à petit comment on fait des bébés. OK ah. Euh, J'ai un commentaire de Tammy qui dit Ah, je fais souvent, je lisais souvent des livres de niveau varié. OK. En troisième, quatrième, cinquième année, elle lisait des œuvres littéraires de niveau 5 ans. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que là, vous pouvez explorer différentes choses. C'est fantastique. La guerre des bébés, voilà. Donc, c'est un livre qui a gagné beaucoup de prix, comme vous pouvez voir. Ah, et je vous présente aussi ça, c'est intéressant. Euh, pourquoi ne pas lire à vos élèves des livres sur la lecture Il y en a beaucoup. Euh, Celui-là qui est absolument magnifique, qui est publié aux éditions 2 et euh, qui s'appelle tout simplement Adélie. Adélie, c'est la petite fille. Et elle, elle adore tellement lire qu'elle se lève la nuit dans la maison, tout le monde dort, elle se lève la nuit pour lire. Et un jour, il y a un petit visiteur qui la rejoint dans ses lectures de nuit. C'est très, très beau, une histoire très douce, très tendre, mais qui montre vraiment la puissance de la lecture. Adélie. Euh, et ça, c'est un, un témoignage d'une un, enseignante qui disait, euh, elle l'a lu, à, ça, c'est vraiment une très, très belle initiative de l'enseignante. Lors de la rencontre des parents, l'enseignante a lu euh, un, cet album-là euh, aux parents. Elle en a profité pour leur parler de l'importance de la lecture. Hein? Elle dit c'est un album parfait pour les amoureux de la lecture. D'accord? Commentaire de Nishikala. J'espère que je prononce bien. Dans... Elle, elle nous écrit dans sa. <laughs> Merci. Dans la classe de deuxième et troisième année, ils ont lu Il n'y a pas de place chez nous un sujet d'actualité un grand succès. Je vais vous le montrer tout de suite. Euh, oui, elle, 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 elle aime les sujets d'actualité dans des albums sur des, euh, sur des sujets sérieux. Alors, il n'y a pas de place chez nous. C'est un album... Euh, illustré qui parle de deux frères qui quittent leur pays en guerre pour trouver un endroit en paix où vivre. Et partout où ils vont, les gens leur répètent la même chose. Il n'y a pas de cas chez nous. J'en profite pour vous dire, ok euh, et ça, ça va être dans le compte rendu que vous allez recevoir, cet album-là, vous pouvez le lire gratuitement sur le site de Télé-Québec en classe. D'accord? Et pour ça, vous avez juste besoin de vous inscrire, donner votre adresse courriel d'enseignant et vous aurez accès au site. Et il y a une très, très belle trousse pédagogique qui a été faite par Télé-Québec en classe sur cet album-là. C'est très, très, du, du haut de gamme, de la grande qualité au niveau du matériel pédagogique qui a été développé. OK? Euh, et Stéphanie dit ils ont eu de belles discussions. C'est formidable. <coughs> On revient au livre sur la lecture, ça Ce, c'en est un. Moi je, moi, je dis toujours, ça c'est mon livre pour les enseignants, parce que ici, vous avez euh, un livre qui, qui parle du comportement des lecteurs. Parce que là, l'enseignante, elle essaie de lire un, lire un livre, un album à voix haute à ses élèves hein, en classe et ils sont très, très, très. Euh, Agité, ils dérangent, ils n'écoutent pas, ils interrompent. Donc, ça montre euh, ce qui se passe dans la classe. Ben, c'est fait aussi sur le, le ton de l'humour. Mais c'est un album euh, qui permet aussi de modeler euh, le comportement d'un lecteur. D'accord? Et il y a une fiche pédagogique gratuite euh, sur le site de la Maison d'édition, sur cet album-là. D'accord? On a parlé, euh, parlé d'album. Là, on va parler de romans graphiques. Ça aussi... C'est très intéressant à lire à vos élèves pour deux raisons. Premièrement, ça vous permet de faire une lecture feuilleton, donc de, de, de leur, leur en lire un chapitre à chaque jour, donc d'étirer le plaisir. Et aussi, parce qu'il y a du visuel, ça vient aussi euh, en chercher des élèves qui ont vraiment, vraiment le besoin d'avoir plus d'illustrations. La meilleure façon, encore une fois, de lire des romans comme ça, si, si vous n'avez pas une copie pour tous, c'est... Euh, d'utiliser la caméra document. Alors, un roman graphique, je vous le montre. Regardez, ça ressemble à ceci. C'est un roman avec beaucoup d'illustrations. D'accord euh, Voilà, ça c'est les miens. Enterrer la lune, là, je vais penser plus vite parce qu'on va manquer de temps. Voilà, ça ressemble à ça, un roman graphique. Il y a une fiche pédagogique sur celui-là aussi. Lire des polars. Le voleur de sandwich, un grand classique qui a gagné plein de prix. Très drôle, c'est aussi un mystère, un polar. C'est un roman policier qui s'appelle Le voleur de sandwich et c'est un roman illustré aussi euh, de André Marois et Patrick Doyon. Alors, il y a un élève qui vole, il y a quelqu'un qui vole des sandwichs à l'école et on ne sait pas qui, il faut trouver le voleur de sandwich. Il y a une fiche pédagogique aussi pour ce roman-là. Je vous en ai parlé tantôt. La poésie, La courte échelle, a une collection de, de poésie pour les jeunes. Et j'en ai lu plusieurs. Qui okay, Regardez ce titre de Simon Boulris. Les garçons courent plus vite. J'adore ce titre-là. Donc, très intéressant aussi de lire de la poésie avec euh, vos élèves et qui sait peut-être après de les faire écrire. Il y a des fiches pédagogiques aussi sur les recueils de poésie de la courte échelle. Et tout ça, c'est du matériel gratuit qui est, là pour vous, qui est là pour vous. Voilà, une autre fiche pédagogique. Euh, Sommet des soleils, ça. En... Donc ici, c'est un enfant, ouais, ça ressemble à ceci, le roman graphique. Hein. C'est un enfant qui est ici au Canada, donc il n'est pas dans un pays en guerre, mais il regarde la guerre dans un autre pays et il se dit, mais c'est incroyable, il se pose plein de questions. Pourquoi on fait la guerre encore en 2024? Hein? Pourquoi on bombarde des écoles, des hôpitaux? Donc c'est le questionnement d'un enfant par rapport à la guerre avec fiche pédagogique. Voilà. Un autre genre littéraire que vous pourriez explorer, qui est vraiment fabuleux aussi, c'est de lire des biographies. Là, je cherche, oui, je elle est ici. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui ce joueur d'enquête que je vous montre? On va voir si, euh, avant que je vous le dise, c'est une biographie. Oui, bravo, Stéphanie. <laughs> Nous avons eu de belles discussions avec ce livre-là. Merci beaucoup. C'est Jacques Plante, hein, qui était le premier. Merci, oui, le premier gardien. Gardien de but, ça c'est Louis qui, qui je, je pense que Louis qui a mis la réponse aussi. <laughs> Est-ce que c'est toi, Louis? Il ne m'entend pas. Jacques Plante, voilà. Lire des biographies. Euh, jean Plante qui a été le premier gardien de but à porter un masque d'hockey, J'en ai fait... Euh, J'en ai fait une... On appelle ça un documentaire biographique hein, parce que ça raconte tout l'épisode du masque. Ça s'appelle « Ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey ». Et ça, c'est une histoire... Bon, c'est biographique, évidemment. c'est pas inventé. Mais c'est un... un Texte qui parle de, euh, de de résilience, parce que Jean-Claude, quand il a commencé à porter un masque, euh, tout le monde s'est moqué de lui, on l'a traité de peureux, mais il a continué à porter son masque. Donc, c'est un livre sur le courage, la résilience. C'est une belle leçon de vie pour les élèves, et évidemment, il y a une fiche pédagogique euh, sur cet album-là. Rick nous dit on a lu le poème L'Arbre pour Jacques Charpentreau. Chaque élève a écrit un poème à la manière. Oh, de Jacques Charpentreau. Bien, écoutez, ça, ça m'intéresse beaucoup. Je vais noter ça. Je ne connais pas euh, le poème ni le, euh, ni le poète. Jacques Charpentreau. Oui, ça, c'est vraiment très bien hein, de faire écrire à la manière de. Hein. Ils ont lu le poème de ce poète-là et ensuite, ils ont écrit à la manière de. Fantastique. Ah, André, c'est Louis. Euh, simplement pour te dire qu'il te reste sept minutes. Ah, il y a, ça, c'est pour vous dire que dans la fiche pédagogique sur Jacques Plante, il y a un, Vous pouvez faire dessiner le masque aux élèves. Ça, c'est les biographies d'une collection à la courte échelle avec des fiches pédagogiques. Là, je me dépêche parce que je vois qu'il me reste sept minutes. Je vais juste vous présenter la fin. Les documentaires, c'est fantastique aussi. Celui-ci d'Élise Gravel qui est excellent sur les fausses nouvelles. Voilà, il est très, très, très bien fait. J'en ai fait un, moi, sur euh, la pollution plastique, okay, qui est un gros, gros, gros problème environnemental aujourd'hui en 2024. Les, les docu-fictions, là, vous allez voir, je vais passer très, très vite là-dessus, juste parce que je vais arriver à la fin où il y a des ressources. Donc, les docu-fictions, le mot le dit, c'est des, de, des livres qui sont un, à la fois un mélange de documentaire et de fiction. D'accord? Je vous l'ai présenté. L'histoire de Thetford Mines, la ville d'eau d'éléphant, c'est un docu-fiction. Vo voici les illustrations. Je vous en montre un autre. Ça, c'est un album qui s'appelle Le barrage, qui est très, très beau, qui est, qui est un docu-fiction sur un barrage qui a été créé en Grande-Bretagne. Voici l'album. C'est absolument magnifique. Vous pouvez parler d'environnement et de géographie avec vos élèves en lisant cet album-là. Regardez comme les illustrations sont belles. Voilà. Euh, « Azada », qui est encore un livre de Jean Goldstein, qui parle de la condition des petites filles en Afghanistan. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. De tous les livres de Jean Goldstein, je vous dirais que je pense que celui-là, c'est mon préféré. Il est magnifique. Je vous dirais, par contre, pour des plus vieux, quatrième, cinquième, sixième année, euh, qui est inspiré d'une histoire vraie, hein, d'une journaliste euh, allemande qui a été assassinée pendant la guerre en Afghanistan. Donc, docufiction, hein, les filles en Afghanistan. Voilà. Azada, voilà. Ah, ben ça, je vous en ai parlé. Euh, euh, Coco, en petite beauté, qui est un album d'Anthony euh, Brown, c'est aussi un docufiction parce que c'est inspiré d'un vrai gorille. Elle est décédée maintenant, elle s'appelait Coco. Et euh, c'était une femelle gorille et elle a appris le langage des signes, Coco. Donc, elle pouvait euh, parler. Avec, euh, avec les chercheurs. Okay? Elle est décédée en 2018. Il y a énormément d'informations sur Coco, hein? mais ce qui est très beau, ce qui a inspiré Anthony Brown à écrire le livre qui s'appelle Petite Beauté, c'est qu'un jour, Coco, elle a dit à ses gardiens qui s'occupaient d'elle, elle leur a dit, je me sens seule en langage des signes. Alors, ils lui ont donné une amie, ils lui ont donné un chaton. Alors, Coco, ensuite, toute sa vie, elle a toujours eu des petits chats avec elle. Voilà. Et le chaton, ses petites beautés. Donc, l'album raconte l'histoire d'amitié entre un gorille et un petit chat. C'est absolument magnifique. Vous donnez ça à lire à un adulte, il va être charmé. Et c'est un album qui est tellement riche que ça peut être aussi bien en première année qu'en onzième euh, année. Okay. Il y a énormément de ressources pédagogiques. Euh, je vais vous les envoyer, okay, les ressources pédagogiques sur cet album-là. Petite beauté. Ça, c'est encore un docu-fiction. Le, le mot liste un roman sur les Rohingyas. Voilà. Je passe vite. Ah oui, je voulais juste vous dire une chose à propos de la trousse littéraire qui a été créée autour de ce roman-là. Donc, ça, c'est pour des plus vieux. Là, cinquième, sixième, sept et huit. La trousse littéraire a été créée par des conseillers pédagogiques euh, dans la région de Québec sur ce roman-là. Et la trousse est absolument superbe. Vraiment, j'ai rarement vu une trousse. Et tout ça, c'est gratuit, hein, d'aussi grande qualité. Donc, vous pouvez aller chercher la trousse. Et même si vous décidez de ne pas lire ce roman-là, vous pourriez prendre plusieurs des suggestions pédagogiques dans cette trousse-là pour les appliquer à d'autres livres. C'est juste que la trousse, elle est tellement bien faite, entre autres, euh, sur le vocabulaire. D'accord? Euh, ça, ça va vous aider beaucoup. En voici un autre euh, docu-fiction, euh, c'est un livre que j'ai écrit moi qui s'appelle « Pablo trouve un trésor », c'est sur les enfants qui travaillent dans les déchets. Là, je continue très vite les pistes d'exploration, je vais sauter là-dessus. Quelques activités pour vous donner, euh, donner la piqûre de la lecture à vos élèves, inviter... Euh, avoir des invités mystères, des journées thématiques. Hein. On va dire, je vous lis à Noël, je vous lis des albums sur Noël. On est le jour de la Terre, je vous lis des albums sur l'environnement. Il y en a beaucoup. La Saint-Valentin, on va lire sur l'amour. Voilà. Lisez, vous aussi comme enseignant, soyez un modèle. Et là, je vous donne des ressources. Ou trouver des suggestions de lecture. Il y a beaucoup de sites et vous allez avoir tous ces sites-là en hyperlien dans le compte-rendu. D'accord Télé-Québec en classe, je vous en ai parlé, c'est complètement gratuit et il y a des albums pour tous les groupes d'âge sur le site de Télé-Québec en classe avec des trousses pédagogiques. Il y a du matériel gratuit euh, sur le site des maisons d'édition. Ah, alors il y a quelqu'un qui me demandait tantôt comment euh, on peut lire euh, des livres numériques en classe à nos élèves. Bibliothèque des Amériques. Il y a des milliers de livres francophones et c'est gratuit. Il faut juste vous inscrire. Il y a des livres audio, il y a même des fiches de lecture. La Bibliothèque des Amériques, c'est fabuleux. Et ça, c'est un autre site de l'université euh, Laval qui offre aussi des albums gratuits euh, sur leur site. Je vous enverrai le lien. Pardon, c'est l'Université de Montréal, ce n'est pas Laval. Voilà, ça, c'est Elodil. Et finalement, il y a peut-être beaucoup, beaucoup d'enseignants de, déjà qui connaissent ce site-là, qui est un site créé par des enseignants, pour des enseignants, et qui s'appelle J'enseigne avec la littérature jeunesse. Ils ont une page Facebook, mais ils ont aussi un site web. Voilà, Caléidoscope, la collection Coup de poing. Et là, je vais terminer avec cette citation-là que j'adore qui est d'une auteure euh, australienne qui s'appelle Mem Fox. Elle a publié beaucoup d'albums pour les tout-petits. Et elle, elle dit, la passion pour la lecture est créée par les étincelles émotives entre un enfant, un livre et la personne qui lit. Alors, je vais vous encourager, dans votre nouvelle année scolaire qui va commencer bientôt, à aller allumer des étincelles émotives chez vos élèves. En leur lisant à voix haute. Merci beaucoup de votre attention. Ça va me faire plaisir de vous. Peut-être que je vais retrouver quelques-uns cet après-midi où on va aller dans le plus concret cet après-midi avec des trucs et des astuces et encore du matériel. Ah, Sophie qui nous écrit euh, pour faire du pouce avec l'idée de l'inviter, attendez, de l'inviter Mister. Oh, attendez, il y a trop de. Ça va trop vite. <laughs> merci, merci. Tout le monde me dit merci. C'est très gentil. Je veux juste lire le. Commentaire de. Tandis que je change l'écran. Et pendant que André, tu, euh, tu retrouves le commentaire, oui. moi, je voudrais te remercier pour cette conférence. Et puis, euh, c'était vraiment excellent. Waouh! Ça donne vraiment le, le goût de lire à haute voix. Euh, et maintenant, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais revenir après.